Comme le disait Victor Hugo, ouvrez une école et vous fermerez une prison. Mais à Troyes, l'heure est à la rénovation. C'est le cas de l'école Jean Jaurès qui, depuis quelques mois, est un grand chantier. La raison ? Une ouverture de classe à la rentrée 2012, ce qui représente plus de 20 élèves supplémentaires. Les travaux sont donc d'une grande ampleur. Dans l'ancien établissement seront réunies toutes les classes, le plus un nouveau bâtiment comprenant deux pièces où se situera une salle informatique munie de 12 ordinateurs flambant neufs et d'une salle polyvalente pour les enfants. Coût de ces travaux sans le mobilier, 130 000 euros. Mais ce n'est pas tout. Mais bien sûr, ce ne sont pas uniquement ces travaux-là qui ont lieu durant cet été. Comme chaque année, nous essayons justement de répondre aux besoins. Alors, nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins en une seule année. Cette année, il y a deux rénovations de cours importantes puisque c'est total. L'école maternelle Charpac et l'école maternelle d'Écumine. Il y a également une grosse rénovation du mobilier scolaire pour plus de 75 000 euros. Il y a aussi les traçages de cours, la sécurité dans les écoles, c'est-à-dire parfois l'isolation de certains stockages, de portes de sécurité également. Nous avons des travaux de peinture, du matériel pour la restauration scolaire et également le renouvellement d'un certain nombre de postes d'ordinateurs informatiques.